but sans qu'il passe par-dessus la troisième corde. Et il n'y aura pas trois, mais simplement deux. Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des openings de Booster WWE Adrenaline XL. Et une nouvelle fois, je suis en compagnie de Wendy. Salut. La fois passée, on a paqué Jey Uso. Est-ce qu'il y a une autre superstar que tu aimerais paquer cette fois-ci? On a déjà eu Finn Balor, on a déjà eu Jey Uso, une autre superstar que t'aimes bien, ou même une superstar féminine. Hein, Les filles, j'aime pas plus que ça. Rhea Ripley, tu l'as déjà? Ouais, Rhea Ripley, on l'a déjà. Bon, Cody Rhodes, tu l'as déjà? Cody Rhodes. Bon, on va essayer de packer Cody Rhodes. Si à chaque fois que Wendy cite un nom, on le pack, ça serait franchement un fameux porte-bonheur. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on a trois boosters. Wendy les a choisis juste avant la vidéo et on va commencer sans plus attendre avec le premier booster de cet opening. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je l'espère. Pas trop de doubles, je l'espère également. Ça serait vraiment sympa de compléter la collection au maximum et ainsi le finir le plus rapidement possible sans non plus trop faire d'échange. Allez, on est donc parti. Premier booster et on commence à NXT avec un mic drop. Et il s'agit de Cora Jade, sympa Cora Jade, on ne l'avait pas encore. Et petite dédicace à mon ami LG Wrestling qui est un grand fan de Cora Jade. Et moi franchement, je la trouve super sympa. Tu ne la connais pas non plus, je pense. Hein. Enfin, de toute façon, tu m'as dit NXT, c'est pas la division que tu suis le plus. Non. On enchaîne encore une fois avec une superstar d'NXT, un Hyde Flyer. Cette fois-ci, il s'agit de Riley Osborne, que je ne connais pas des masses. Je ne le connais que de nom, mais on ne l'avait pas encore dans la collection. Donc ça fait plaisir. Aussi, alors on attaque les choses sérieuses, on part du côté de SmackDown et on a un high flyer de SmackDown. Est-ce que Wendy va connaître cette superstar? Eh bien, c'est le frère de l'autre, c'est Jimmy Uso. Jimmy Uso qui a été victime de son petit frère hein, récemment, pour ceux qui suivent les épisodes de la WWE. Et j'espère sincèrement une reconstruction de l'équipe emblématique des frères Uso. Allez. Cette fois-ci, on part du côté des légendes avec un mic drop. Est-ce que Wendy va connaître cette légende? Eh bien, c'est Scott Steiner. Tu ne connais pas? Non. Scott Steiner qui a exercé dans les années 90, 90, pour les abonnés français qui nous suivent. Sacré morceau. Hein. D'ailleurs, la photo le prouve bien. C'est un sacré pépère. Alors, on enchaîne avec une légende de plus. Technicien cette fois-ci. Et il s'agit de Alundra Blaze, qui est moi personnellement que j'ai pas connu, mais qui avait quand même un sacré palmarès. Donc ça fait plaisir de l'avoir aussi dans la collection, sachant qu'on ne l'avait pas encore. Mais pour le moment, ce sont toutes des nouvelles cartes, donc ça fait plaisir. Et on enchaîne avec un champion de légende. Et c'est celle-là justement qui m'attire toujours l'œil un peu plus. Est-ce qu'on va avoir, pourquoi pas, un Batista ou un John Cena? Eh ben non, ça sera Yokozuna. Yokozuna qui nous a quitté bien trop tôt, hein, lui aussi, qui faisait partie de la famille Anoa'i, donc famille de Roman Reigns, The Rock et compagnie, et qui avait un sacré potentiel. Ça se voit presque pas au niveau du faciès. Oui, hein, y a une belle ressemblance, et Yokozuna qui nous a quitté, si je ne dis pas de bêtises, en 93. Oh, je t'ai même pas né. En 93, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Si je dis une bêtise, n'hésitez pas d'ailleurs à me corriger en commentaire, mais il me semble que ça date quand même assez bien, malheureusement. On enchaîne avec le deuxième booster. Est-ce qu'on va avoir de la chance? Je l'espère. Toutes les cartes sont dans le bon sens. Et on va pouvoir se lancer avec une carte du côté des légendes. Un mic drop. Et il s'agit de JBL. Ah, JBL, t'as pas connu non plus. Bon, JBL, JBL, ça a été mes débuts. Ça a été mes débuts dans... C'était un catcheur? Ouais, il a plus fait une tête de manager. Ouais, mais ouais, parce qu'il était habillé comme tel, mais ouais, c'était un catcheur assez brut, qui n'était pas forcément toujours apprécié dans les vestiaires. Hein. Il y a eu quelques déboires comportementaux, mais c'était quand même un sacré champion et il a eu de très belles rivalités au début des années 2000. Alors, on enchaîne avec une superstar d'NXT, Powerhouse. Il s'agit de Brooks Jensen, qu'on avait déjà auparavant, donc c'est une nouvelle double. Brooks Jensen, j'en avais parlé précédemment, que mon ami le catch à la belge a eu la chance de rencontrer par le plus grand des hasards lors
de son voyage à Philadelphie à l'occasion de WrestleMania XL. On enchaîne en NXT, du côté d'NXT, pardon, avec un mic drop. Il s'agit de Trick Williams. Bon, ben on l'avait déjà aussi. Trick Williams, que j'aime beaucoup, qui, je pense, a énormément de potentiel pour devenir une future superstar de top niveau du côté de la WWE et pourquoi pas un futur champion. Allez, on enchaîne avec un technicien de légende et ce technicien de légende sera British Bulldog. Décidément, on enchaîne les doubles dans cette vidéo parce qu'on l'avait déjà auparavant. Lui aussi nous a quitté bien trop tôt, British Bulldog, mais on l'avait déjà dans la collection. Alors, on enchaîne encore une fois avec une légende, Hyde Flyer cette fois-ci. Est-ce qu'on va avoir un peu plus de chance? X-Pac, ok. On l'avait déjà aussi, on l'a déjà packé. Décidément, c'est le booster des doubles. Et on finit avec une carte NXT. Et je viens de me rendre compte que, regardez, malgré les envois, il y a toujours des petits défauts. Je pense que vous le verrez en haut à droite de la carte. Tant pis, on essaiera d'être ultra minutieux. C'est un champion d'NXT et il s'agit de Noam Dar, ok, c'est le détenteur de la coupe héritage de NXT. Mais sympa parce qu'on ne l'avait pas encore dans la collection, donc c'est plutôt cool. Et on enchaîne du coup avec le dernier booster. Espérons quand même ne pas enchaîner les doubles, parce qu'ici c'est vrai que... Là, t'en as eu beaucoup. Ouais, dans ce booster-ci, on en a eu pas mal. Donc, j'espère avoir un peu plus de chance et avoir des cartes qu'on n'avait pas encore. C'est de compléter la collection au maximum. Alors, ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a beaucoup de cartes à l'endroit, d'autres cartes à l'envers. Ouais. C'est rare quand elles sont tous dans le même sens dans le paquet. Allez, dernier booster. Légende. Mic drop. Il s'agit de Dusty Rhodes, le papa de Cody Rhodes. Et là, c'est une... C'est le fiston que je ne sais pas si tu étais au courant de... à quoi ressemblait Dusty Rhodes. Je savais qu'il était blond, mais c'est tout. Ben voilà, ben du coup, il est là. Notre regretté Dusty Rhodes qui nous a permis de connaître ses fils. Hein. Donc, il y a Cody Rhodes, mais il y a également Goldust, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. Goldust qui était peint en noir et doré et qui exerce à l'heure actuelle à l'AEW. Alors, une autre légende, cette fois-ci, Highflyer. Et nous partons avec... Rob Van Dam, très intéressant, on ne l'avait pas encore et c'est un catcheur que j'aimais beaucoup. Lorsque j'ai commencé à regarder le catch, Rob Van Dam faisait partie de ces top catcheurs, notamment à l'ECW, hein, ce fameux épisode entre Rob Van Dam et John Cena, pour ceux qui s'en souviennent. Alors, on continue du côté d'NXT, là je pense que Wendy ne connaîtra pas, donc ça sera une découverte. Lola Vice, sympa, on ne l'avait pas encore non plus, très certainement un futur... de superstar féminine qui l'attend à l'horizon parce qu'elle fait du très bon boulot du côté d'NXT. Allez, on enchaîne du côté de Raw. Et là, il y a des chances que Wendy connaisse. Du moins, on l'espère. On enchaîne avec... Ah, ben le voilà! Le voilà, The American Nightmare, Cody Rhodes, l'actuel champion de la WWE. On peut tout avec moi tout le temps. Ouais, voilà. Je pense qu'elle nous apporte les ondes dont on a besoin. Mais celle-là, elle fait très plaisir. Bah, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai le logo de Cody Rhodes tatoué sur le bras. Donc, oui, je suis un grand fan de Cody Rhodes. Oui, oui, oui. Bah, ça fait plaisir. Franchement, très, très sympa de l'avoir dans la collection. On enchaîne avec une légende de plus du côté des Hyde Flyers. Il s'agit de, encore une fois, X-Pac. Pas de bol. Décidément, X-Pac, il a envie de venir à la maison. Et on enchaîne pour finir avec le champion NXT. Allez, faites-moi plaisir, dites-moi que c'est Dragunov parce que c'est un catcheur que j'aime beaucoup aussi. Eh ben non, c'est Tony D'Angelo et on l'avait déjà. On l'a eu dans les premières ouvertures, donc pas de chance aujourd'hui du côté des champions. Cependant, on n'a pas à se plaindre. On a quand même déjà bien complété la collection en soi. On en a eu quelques-unes qui étaient plutôt sympas. Et on repart avec de nouvelles championnes qui sont très jolies également, même si ce ne sont pas... des champions hyper emblématiques, c'est pas grave, il s'agit de Noam Dar et Yokozuna. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne afin de ne rien rater des prochains openings et des prochaines aventures qui se dérouleront sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et ne passez pas par-dessus la troisième corde !